Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce cinquième épisode sur Super Mario Odyssey. L'Odyssée, elle continue. On va essayer pour la deuxième fois de battre le boss que vous allez voir dans un instant, mais que vous avez forcément déjà vu si vous avez vu l'épisode précédent. Par conséquent, on s'est fait rétamer comme un caca dans l'épisode précédent. On va essayer de faire évidemment mieux. De toute façon, ça peut pas. On peut pas faire pire que la dernière fois. Enfin, on l'avait tapé deux fois hein, sur trois. Hein. On était pas loin, hein, mais c'était quand même pas facile d'esquiver les coups. Hein. Bon, cette fois-ci, on va passer, puisqu'on a déjà vu. Bon, le début est assez facile, vous allez me dire. Voilà, ça, on sait que on peut. Voilà. Ah! Non! Alors, parce que si je perds de la vie tout de suite, c'est vraiment le bordel. On accélère, on fait le grand tour. Un goût de pain dans ta... Voilà. Un crochet. Ah ouais, regardez, ça se voit, il a pris un coup dans la gueule. Bon. Ouais. Si vous pouvez reculer, ça m'arrangerait. Ouais. Ok, parfait. On s'est escape en prenant possession de la main. La deuxième, ok. Bon, c'est bon, on a fait deux coups sans perte de vie. Ça, c'est plutôt bien. Je suis fier de moi. Ouais. Ah non mais comment vous voulez qu'on esquive ça? N'importe quoi. Ah. Au secours. Voilà, parfait. Et normalement le troisième, si on fait pas le débilos, on lui met, voilà. Ah. Bon, j'ai pas eu un point de vie quand même. J'ai pas fait le perfect. L'important c'est de participer. Voilà. Ça c'est vraiment une phrase de faible. Ah oui, je me disais où est la lune multiple? Bah elle est devant moi, c'est parfait. Mais il y a quand même des lunes que j'ai pas chopées. Et ça, psychologiquement, ça me met très mal. Excellent. Alors par contre, j'espère que quand on change de monde, on récupère la tenue habituelle. J'ai peut-être pas envie de me balader en poncho partout. Je pense pas que. Je vais pas faire ça, non. Oui. Ah, on reste dans ce monde-là, ok. Quel chaleur. Le désert a trouvé son état normal, on dirait. On tient le bon bout, continuons sur notre lancée, attrapant cette crapule de Bowser. Est-ce qu'on a assez de lune de puissance? Lance-moi sur le globe pour vérifier. Bah, je pense que oui, hein, j'en ai récupéré tellement de pas utiles. Encore 16, oui, largement. Largement. J'en ai 19 là, si je dis pas de conneries. 19 ou 20, je sais plus. J'en avais 19. Oh, ok. Très bien. L'Odyssée a gagné en puissance. Ah, mais est-ce que du coup on en a en plus pour la fois d'après? Je ne sais pas. Ah, deux options. Faut aller au pifomètre. Tu crois que Bowser est parti au pays du lac? Pays de la forêt. Bah, la forêt, ça me fait. Enfin, ça ressemble un petit peu au premier monde qu'on a fait. Du coup, autant faire pays du lac, je pense. Ça me paraît assez logique. Pays des chapeaux. Alors là, il y a un M. Je sais pas ce que ça veut dire. Là, il n'y en a pas. Ça veut dire que là, on aurait fini. Non, non, parce qu'on a le même truc là et là. Ah non, c'est là où on est là, actuellement. Oui, non. Tout simplement. Ah, est-ce qu'on va enchaîner juste après avec pays des trucs de la forêt là? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on y retournera beaucoup plus tard? Je l'ignore. En tout cas, c'est le lac. Alors je sais pas, de toute façon, enfin, je tourne ça, il est 7h39 du matin, alors, enfin au moment où je tourne ça, on est vendredi, au moment où je tourne. Donc je peux pas savoir les autres qui font des let's play, des streams, tout ça, je sais pas s'ils sont plus allés vers lac ou forêt. En tout cas, vous dites-moi où est-ce que vous êtes allés. Mais je sais pas du tout, enfin j'ai pas voulu me spoiler, du coup j'ai regardé personne, et je découvre le jeu. Bah, en même temps que vous, si vous découvrez le jeu en regardant mes vidéos. D'abord, Tiara, maintenant, cette blague du nom. Non, mais. Cette bague du nom, pardon, ça va pas du tout. Et il faut vite qu'on les rattrape. Si on profite du voyage pour faire un peu de lecture. Il dit ça à chaque fois. Lancer autoguidé, après avoir lancé votre chapeau. Oui, mais oui, ça je sais, mon grand.
Bon, je le fais jamais, ceci dit. Alors, s'il me dit d'aller voir le mode d'emploi, je suis pas d'accord. C'est un haut lieu de la mode et on peut y admirer une robe de nacre que toutes les candidates au mariage rêvent d'enfiler. Est-ce que si on était allé à la forêt, on aurait dit la même chose? Je ne sais pas. Mais je pense que de toute façon, on ira aux deux, c'est sûr, à 200%. Ça, c'est garanti. Les Bruzzles au-dessus du lac. Ah, ils sont encore là. Non, mais on peut pas avoir d'autres ennemis que eux. Ils sont moches. Enfin. Enfin. Oui, ils sont moches. Non, je ne retirerai pas ce que je dis. Il faut mettre plusieurs coups pour le casser celui-là. Ok, c'est un cœur. Alors, je sais pas s'il disparaît au bout d'un moment, mais tant qu'on est full life. Ah, bah non, on récupère des pièces. Donc, autant le prendre. Ah, et puis les pièces ont des gueules vachement. Enfin, les pièces violettes ont des gueules vachement différentes en fonction des mondes. C'est plutôt sympa. Ça contribue à la richesse du jeu. J'ai envie de dire. Attends. Ah ouais, quand je fais comme ça? Ah non, attends. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. On va monter par là. Il va y avoir un truc qui va nous emmener là, de manière, je sais pas comment. C'est quoi ce Goomba avec cette tenue de mariage? Ok. Des persos que je ne connais pas. Oui, ça, mon ami, les acolytes du monde se sont invités chez nous sans prévenir. Ils nous ont dérobé notre précieuse robe de nacre. Quel mufle! What mufle? Ah, une pièce gratuite. Ok, il y avait un petit crabe, mais ok. Pas trop suivi, on n'a rien fait pour l'avoir. C'est quoi? Ah oui, non, c'est un pote. Ok. Ah ok, faut faire des... Ok, j'ai compris. What? Ça faut le faire en dernier, je pense. Allez, vite, 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 vite. Parfait. Par contre, on va mourir là. Parfait. Incroyable. Et du coup, on a notre lune. Ah, elle est rose, celle-là. Parfait. Or que c'est juste que dans ce monde-là, elles sont... Ah, ça dépend des mondes, en fait, de la couleur. Ok, d'accord, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'elles étaient vertes dans le monde d'avant, j'avais pas... J'en avais pas parlé. Ce passage mène au dôme du lac, voyez-vous. Oui, vous voyez. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Ok, d'accord. Fermeture éclair. Très bien. Tout va bien. Là, il y a forcément un truc. Masse pièce, c'est parfait. Là, il y a un truc, il y a forcément une lune. Merde. Ouais. Bon, il y a des pièces déjà. C'est déjà pas mal. Et là. Bizarre ce rocher. Bah oui, effectivement. Attends. Attends. On dirait qu'il ne fait rien de spécial. Faudra revenir plus tard, je suppose. Puisque la casquette ne sert à rien, la charge au sol ne sert à rien. Donc, il faudra y retourner plus tard. Alors là-bas, il y a juste des pièces. C'est pas le truc le plus important au monde. Allons-y. Non, attends, c'est quoi déjà? Oui, la charge au sol. Ah oui, les bulles. Attention au pic en bas. Ah oui, effectivement, c'est pas très sympathique. Il y a deux passages. Ah, attends, non, non, je dis il y a deux passages, mais je dis de la merde. Puisque ça, c'est pas un passage, c'est surtout des pièces violettes qu'on prend avec grand plaisir. J'attends une bulle. Voilà, parfait. Alors, ils disent B, mais A, ça revient au même, hein. Pièce avec une bulle, attends. C'est par là qu'il va falloir aller, je suppose. Non.
Non, ça c'est un passage temporaire. J'aurais peut-être dû aller à gauche avant de prendre celle-là. Je l'aurais pris au passage. Ah, c'est un ennemi ça! Ah, je peux lancer! Ok. Ah, de me suivre toi! T'es pris pour kill. Ah non, d'accord, bah c'est à droite, donc c'était pas. Ah, mais du coup, à droite, il y avait peut-être des pièces violettes. Un peu dommage de les avoir loupées. Ah! Ah! Les chip-chip, les poissons! Alors, ça. Truc qu'on déteste tous, je pense. Parce que les chip-chip, c'est les persos les plus. Ils font partie des persos les plus difficiles à tuer de tout le jeu. Hein. Enfin, dans les jeux Mario en général. Y pour plonger, B remonter. Ça fait Zelda un peu comme musique, je trouve. Attends, je meurs. Un rocher, c'est atroce. C'est vrai qu'un rocher, c'est un grand malheur. Bon, en tout cas, je sais pas ce qu'il y a à foutre là, mais je peux pas faire grand-chose. Visiblement. S'il vous plaît, un petit chip-chip là. Parce que là, je respire plus là. Hein. Peut-être un détail pour vous, mais pour moi, c'est important quand même. On va aller là. Un petit fragment. Excellent. Ça va, la caméra est plutôt agréable. Contrôler, c'est pas trop chiant. Alors, il n'y a pas moyen d'accélérer. Merde. Ah, il y a une boutique! On va peut-être pouvoir acheter une tenue Zora. Ah, mais non, je suis con, je peux pas aller là. Il faut que je rentre dans la bulle. Ah, mais comment je fais? Ah, oui, il faut que je sorte, ouais, tout simplement. Ouais. Et on passe là le plus vite possible, s'il vous plaît, parce que mon souffle n'est pas illimité. Donc, attendez, comment on fait pour aller... Ah non, mais non, j'aurais dû prendre un poisson pour aller là-bas. Ah oui. Attends, déjà ça c'est fait. Ça, on va aller récupérer ça. Il doit y avoir forcément des pièces. Impeccable. Non, on va reprendre un poisson pour passer par le haut. Attends, déjà, on va prendre les pièces. De toute façon, je ne fais ça que pour l'argent. Donc, on récupère les pièces. On casse tout. Ok, c'était l'autre passage, je pense. Ah non, il y a juste un fragment. Ah, il y a un fragment. Ah oui. Donc il fallait passer par là. Ah non, mais va-t'en, tu t'es moche. Non, non. Voilà. Hop. Ah, mais il y en a déjà un autre, quoi, sérieusement. D'accord, en gros, notre souffle, il est limité tant qu'on a de la vie, au final. Ça revient un petit peu à ça. Mais j'ai pas tous les fragments. Je sais pas si tous les fragments sont récupérables dans cette partie-là de la carte. Alors, en tout cas, il me faut un poisson. Attends, c'était B pour remonter? Ouais, c'est ça. Excellent. Alors là, il y a un checkpoint. C'est parfait. Je veux plonger. Voilà, parfait. Ah, lui, il est mort de ses souffrances. En s'étant agité. Eh bien, allez, rentrons dans la boutique. Deux types de pièces. Oui, mais ça, je sais, le pote du désert me l'a dit aussi. Masque et tuba. Ah! Ouais, mais est-ce que ça m'aide à respirer plus? C'est une bouée reproduit à merveille et texture de la. Tiens, d'accord. Ouais, mais j'en ai. La bouée qui vient avec est le plus bel effet. Ouais, mais ça sert à rien. J'achète. Oui, je me change. Ouais. Est-ce que j'ai encore la tenue Oui, j'ai encore le poncho. Attends. Salut. De nouveaux articles, très bien. Ah bah déjà, ça, on ne crache pas dessus. Ah, une casquette. Une nouvelle casquette. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'achète?
Ok, ça on peut l'acheter partout. Après, est-ce que j'économise pour acheter ça? Oh, 50, c'est pas grand-chose. 50, c'est pas. Pas grand-chose, pardon. Oui, je veux porter tout de suite. Est-ce que ça a viré mon masque tuba? Ouais, d'accord. Donc, laisse tomber. On va se changer. Ah non, il faut mettre un coup de casquette. Ah non. D'accord. Masque tuba et. Non, mais non! Mais non, j'ai pas fini! Gros galérien de la vie, quoi. Voilà. Ah, les yeux de Chappie, ils sont sur le tuba, d'accord. Très très bien. Et du coup, j'ai plus de chapeau. Ah, mais non, d'accord, c'est le. D'accord, ok. Je viens de comprendre. Ok, je pense que vous avez compris. Vous. Ah, attends. Ah, falloir que je le fasse trois fois. Oh, trop relou, quoi. Falloir rentrer là? Oh, la galère. Hein? Attends. Ah, mais non, il suffisait de passer par là. Ah, et puis il faut avoir sa tenue. D'accord. Ça va encore être la tenue. Vous portez une tenue adéquate, voyez-vous. Ah, ok, d'accord. Il faut bien acheter l'autre. Mais il nous faut une pièce violette en plus. Une de plus suffira. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Voilà, parfait. Et maintenant, on peut. Excellent. Alors, le perroquet, il dit quoi, lui? Je sais, moi, je sais. La tirette secrète. Où est-ce qu'il est caché? D'accord. Bah, elle doit être au fond, hein. Je suppose. Attends. Ah oui, non, c'est vrai, il faut faire ça. Non, mais ça, c'est la suite de. Non, mais non, mais je peux pas, je peux pas. Non, mais je peux pas, enfin, je sais pas, j'ai pas confiance. Je sais pas. Ça me paraissait moins profond, hein, vu du dessus. Maintenant qu'on y est. Vite, 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 bouge ton cul. Merci. Merde. Voilà, ok. Ok, on retourne à la boutique, on achète le reste de la tenue. Faut être prêt à se mouiller un peu, ce qu'on nous a dit. Hein. Moi, je fais ce qu'on me dit. Hein. Je suis une victime. Attendez, le poncho, il s'achetait pour des pièces violettes. Hein. Je crois. Hein. C'était quoi l'autre tenue qui avait... La tenue qui... Putain, j'aurais dû la mettre. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ah c'est ça! Ah oui non d'accord, rien à voir. Oui, donc c'est bien. On a bien fait de. Enfin j'ai acheté la bonne. Non mais il faut que je me change aussi. Aïe aïe aïe! J'ai vraiment du mal, je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est pas. Peut-être du mal dans la vie en général. L'armoire. Voilà. Ouais, donc en gros, toujours privilégier la tenue locale, puisqu'elle a toujours son utilité, hein, semblerait. Ah, magnifique, très crédible. La Rodonac est ici, voyez-vous, dans la salle d'exposition. Mais ce mufle de monstre nous a dérobé notre précieux trésor. On peut rentrer là? Non. Ah oui, non, il faut passer par là. Et elle va déverrouiller. Toute l'élégance. Eh oui, toute l'élégance nécessaire pour rentrer. Ouais, j'avoue que je suis assez classe quand même. Ouais. D'accord. Et c'est tout. Comment je suis en train de profaner leur lieu sacré là? Ok, alors visiblement ça, il y a moyen de choper le truc, mais il faut attendre qu'il ait la robe, je suppose. En tout cas, c'est pas la suite de l'aventure, ça, je pensais. Autant pour moi. Ah, par contre, on peut récupérer celle-là. Pièce violette là. Pas la louper. Parfait. Ok. Ah, ça m'aurait vraiment fait chier de la louper. Les croissants de lune. Ah, j'en vois un. J'aimerais bien choper cette lune-là quand même.
Ouais, remonter B, parfait. Ouais, il manque plus qu'un seul. Ah bah. Ah bah non, c'est carrément une lune. Directement. Ok. Ok. Ah mais oui, d'accord, ok. Dory, très bien, enchanté. Et il y en a carrément une là aussi, mais what? Deux en même pas 10 secondes! Et pour peu que je trouve le dernier croissant de lune. Oh, la surface. Ok, il y a une pièce là. Non, mais c'est les fragments, ils sont forcément sous l'eau. Je peux pas croire autre chose. Ok, petite pièce violette, ça fait plaisir. Non, 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 non. Ok, ouh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ouais, je suis content, mais ça m'aide pas à trouver. Non, non, j'ai encore fait la connerie. Ouf. Ah, c'est pas le même bouton pour plonger quand on est en Mario ou quand on est en. Ah, mais il est là, je suis bête. Ah, tout simplement. Ah, il est là, mais comment j'y accède? Ah, comment j'y accède, moi, je sais pas. Ah bah oui, vous êtes mignon, mais comment je fais moi? Super, pratique. Alors c'est les palmes qui m'empêchent de monter. Ou... Attends. Attends. Attends, pourquoi avant j'arrivais à monter là-dessus et puis maintenant? Ouais, mais je pourrais jamais avoir l'angle pour monter au-dessus en fait. C'est ça le problème. Ah! Ah! Si, si, attendez, attendez. Y a moyen de négocier quelque chose. Y a toujours moyen, moyenné. Ok, voilà. Si je vais. Non, non, non. Faut que la caméra soit dedans. Sinon, on a le bruit, c'est chiant. Aïe, 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 aïe. J'ai pas. Non, je pense que c'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais je vois pas comment je peux faire autrement. Ah non, mais comment je fais moi? Oh mais non, mais c'est le dernier fragment, comment je fais moi? Attendez, à moins qu'il y ait une entrée par le haut, que j'ai pas vu, mais... Ah bah oui! Ok. C'était beaucoup plus simple que ça, on a l'air. Ok, tout simplement. On peut sortir par là, excellent. Et donc, elle est où la... Mais passez où? Il est où le truc? J'ai pas fait attention! Ah oui, parfait. Ok. Ouf, me voilà rassuré. Ok. Ah, je me disais aussi, je comprenais rien du tout. Très bien! Parfait! Bah écoutez, dans la prochaine vidéo, on va plonger dans les profondeurs. Alors, je sais pas comment on va s'en sortir, parce que ça m'a l'air quand même vachement profond, mais c'est le chemin qu'on doit prendre. Visiblement, si je parlais, elle va me confirmer ça, non? La terrasse est encore au-dessus. D'accord. Ah, on me dit pas d'aller en dessous, hein. Bon, je ne sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois, mais on le fera. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis rendez-vous très, très, très bientôt pour la suite de ce Let's Play en intégrale sur Super Mario Odyssey. Salut tout le monde!